Monsieur le maire de la ville, écoutez-vous sous les cas de siège, représentant le gouvernement de province de Kourou. Monseigneur le maire de la ville de l'Université catholique du Cap-Vert. Mesdames et messieurs les membres du comité urbain de sécurité de la ville de Kourou. Mesdames et messieurs les membres des comités de gestion des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kourou et des environs. Mesdames et messieurs les enseignants, le personnel administratif et technique des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, chers parents, camarades étudiants, distingués de vie. En ce 29 octobre 2021, c'est avec une réelle satisfaction, avec une motivation et détermination, que je préside la cérémonie solennelle de clôture de l'année académique 2020-2021, conformément au calendrier irlandais. Je voudrais partager ce triple sentiment avec toutes les parties prenantes de notre secteur. Il constituera le fil conducteur de mon ambition. Mais avant cela, permettez-moi d'exprimer ma joie, toute particulière de procéder à cette cérémonie solennelle dans les grands pays en général et ici dans la ville de Kourou en particulier. J'ai saisi cette occasion pour exprimer toute ma gratitude pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé à moi-même ainsi qu'à ma grande délégation. Je pense particulièrement à monsieur le gouverneur de la province de Kourou, sous les traditionnels effectivement, et à toutes les autorités politico-administratives, aux membres de la communauté universitaire de la province de Kourou qui m'ont accueilli à Béma. Ainsi qu'à la chaleureuse population de la ville de Kourou qui m'a accueilli. Notre présence dans cette partie de la République démocratique du Congo a une valeur symbolique et fait répondre à une interpellation. D'abord, il s'agit d'une manifestation symbolique et importante de la solidarité nationale. En effet, aujourd'hui, tous les yeux de la nation, par les truchements de l'enseignement supérieur et universitaire, sont tournés vers cette partie du territoire national à proie à une sécurité récurrente, privant la nation de certains de ses vaillants fils et filles, parmi lesquels des militaires, des policiers, des filles, des enfants, des jeunes, victimes de la violence humaine. Ensuite, notre présence à cette ville répond à cette interpellation faite à toutes les forces vives de la nation, pour qu'elle continue à se mobiliser pour restaurer la paix durable dans cette partie du pays et pour que cette communauté, une fois pacifiée, participe pleinement à la reconstruction des pays plus beaux qu'avant. Ainsi, célébrer à bout de mot la clôture de l'année académique 2020-2021 à peine. Inévitablement à notre esprit que cette contrée a connu de nombreuses pertes à vie humaine, mais aussi que depuis l'année 2020 particulièrement, notre secteur national supérieur universitaire est fortement frappé par le décès de plusieurs professeurs, membres du corps scientifique, des agents, des cadres administratifs, ainsi que des étudiants. Et pour rendre hommage à toutes ces personnes qui nous ont été chères, à toutes ces victimes de massacre, à Béni, à Yorubu, à Mambasa, à Djoukou, et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je vous demande donc de vous lever pour que nous puissions observer une minute de silence. Dans ce contexte de profonde réconciliation politique, doublé de la persistance de la pandémie du coronavirus, les uns et les autres ont fait preuve de volontarisme collaboratif
et d'un engagement collectif de sa famille pour que nous relevions les défis de la profite de l'année académique 2020-2021. Pour cela, rendons grâce à Dieu, notre Père, pour toutes les bénédictions reçues au cours de cette année. On est louange à notre Dieu qui, dans sa miséricorde et sa bonté infinie, nous accorde le souffle de vie et force physique pour œuvrer dans sa moisson. Gloire à Dieu pour l'aboutissement du parcours de formation suivi par nos lauréats. Gloire à Dieu pour le dévouement des structures et des personnes qui se sont engagées pour l'atteinte de ces résultats. Gloire à Dieu pour notre engagement à mettre au service de la société des cadres formés et qualifiés, de va contribuer au bien-être de notre population. Mesdames et Messieurs, la mission de formation, de recherche et de services dévolus à notre secteur trouve une place de choix dans la vision du président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et grâce à ces liens des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, à qui j'adresse mes hommages et mes déclarations. Il y a plus de nommer les jeunes, nos professeurs, à la tête du grand ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous pouvez deviner pourquoi il a voulu ici. Il voulait que quelqu'un qui n'est pas tellement impliqué dans les secteurs vienne remettre les secteurs sur les rails. La matérialisation de cette vision est coulée dans le programme d'action du gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonete, chef du gouvernement, à qui j'exprime ma plus haute considération. C'est souvent la raison et l'intention de la haute hiérarchie du pays que j'exprime au mandat de ma prise de fonction le 27 avril 2021. À la tête du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire sur l'aboutissement des réformes par la bonne gouvernance et la lutte contre les antivaleurs. À ces actes stratégiques de ma vision, je voudrais associer les sentiments de satisfaction, de motivation et de détermination qui m'animent à ce jour et dont je parlais plus haut. Premièrement, concernant ma satisfaction aux activités réalisées. En moins de 6 mois, de concert avec les parties prenantes, nous avons posé des actions concrètes en vue de l'amélioration du fonctionnement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est ici le lieu de remercier et féliciter tous les établissements qui se sont conformés au calendrier académique en organisant la double cérémonie de collation de grade et de clôture de l'année académique fait avant la date du 30 octobre 2021. C'est une preuve de bonne gouvernance, le respect des délais pour moi a une importance capitale et vivre. Ensuite, on regarde la dynamique dans laquelle nous sommes engagés. Au cours de la période considérée, nous avons pu intervenir sur plusieurs axes, notamment sur l'axe institutionnel et culturel. Nous avons fait l'état des liens du secteur, grâce aux rencontres, aux échanges, aux voyages itinérants dans plusieurs provinces de la République. Deuxièmement, la crise qui sévissait au secrétariat général de l'ESU et qui paralysait l'administration centrale. Dès la grève de jeudi, nous avons mis fin à cette grève. Troisièmement, nous avons procédé au lancement officiel de l'Agence nationale d'assurance qualité qui traînait dans les couloirs. Quatrièmement, nous avons pris part au groupe thématique d'éducation. Je vais vous dire pourquoi j'étais content de relancer ce groupe thématique d'éducation. C'est parce que l'éducation nationale, c'est tout. Si aujourd'hui nous décrions
l'absence de la qualité ou la faiblesse au niveau supérieur, c'est parce qu'au niveau maternel, au niveau primaire, au niveau secondaire, il y a des lacunes. Donc nous devons les combler tous à ça. Pour l'axe de gouvernance, nous avons finalisé le premier de l'instruction académique numéro 22, le 19 mai 2021. Nous avons lancé une vaste opération d'audit organisationnel et de contrôle de viabilité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, sans recourir aux moyens extérieurs. C'est vous qui avez financé ça. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous savons ce qui se passe partout. Puisque nous avons été partout, il n'y a personne qui va nous tromper. C'est pour cela que toutes les mesures que nous prenons sont des mesures qui sont basées sur des faits réels que nous avons nous-mêmes vérifiés à travers ce contrôle de viabilité et cette audit organisationnel. Nous avons nommé les animateurs de la scène UNESCO qui étaient à venir s'appeler ça. Nous avons signé des diplômes. Plus de 1 million de ça reste encore dans les couloirs. Et nous continuons à les signer. Nous remercions les établissements qui s'y sont conformés. Je remercie ici les nouveaux animateurs de l'ICAVEM qui n'avaient pas de diplôme pendant beaucoup de temps. Ils nous ont amené de leurs diplômes. On les a signés. Nous sommes en train de faire les vastes programmes pour que les arriérés des diplômes, des diplômes que les étudiants ont peut-être payés, mais que certains chefs d'établissement ont mal géré ces fonds, ces fonds qui n'existent pas, ils se posent la question comment ces gens obtiendront les diplômes. Je suis en train de trouver une formule, je vais vous la communiquer, puisque nous voulons que tout le monde, tout finaliste, même celui qui a terminé il y a 15 ans, puisse avoir ce diplôme. Dans ce secteur, nous avons relancé les travaux de construction, de reconstruction, de réhabilitation, grâce à l'effort de construction d'un plusieurs établissements. Ici, à Boutembo, je vais remercier certains, puisque je vois que tous les établissements essaient de faire un effort pour construire. Et nous l'avons dit à partir de Kinshasa que l'argent que nous avons prévu, les 20 dollars que nous prévoyons chaque année pour la construction, ça doit servir uniquement à la construction. Plus question de retourner cet argent. Nous avons dit de manière solennelle que les chefs d'établissement qui ne vont pas utiliser cet argent pour la construction des infrastructures vont être immédiatement sanctionnés. C'est pour suivre l'actualité du stade que vous avez fait. Nous avons réactivé les conditions du projet totalien. Et par ces grands projets d'interconnexion des universités, pas seulement les universités congolaises, mais les universités du monde entier. Dans le cadre de la sous-région de Sahel, nous avons le grand projet Ubuntu, qui est le grand réseau qui connecte l'ensemble des universités d'Afrique du Sud, de Zimbabwe, la Namibie, du Botswana et de la RDC. La RDC a payé la garde de ce projet qui peut rester dans les UPS. Nous l'avons relâché et grâce à ce projet, l'ensemble des universités de la RDC. Et pour cette année académique, nous lançons avec 150 établissements d'enseignement supérieur universitaire qui vont obtenir un wifi gratuit. Allié avec l'axe des États généraux, nous avons organisé après 50 ans, puisque vous le savez, c'est en 71 que l'enseignement supérieur universitaire a organisé ce qu'on a appelé les travaux de la CELE qui ont abouti à la création de l'INASA. Après ces quatre ans, nous avons organisé les véritables états généraux de l'enseignement supérieur universitaire à Lubumbashi. Et je voudrais bien remercier les établissements qui ont contribué, puisque nous avons démontré au monde entier que la RDC pouvait organiser des grands événements sans recourir au financement extérieur. Activités. Nous avons bénéficié du soutien de la haute hiérarchie
et de la participation effective des parties prenantes du secteur. Cette participation a connu son point culminant dans le cadre des États généraux. Je voudrais donc ici rendre hommage au chef de l'État parce que je prends des mesures difficiles et impopulaires. Mais je bénéficie de ce soutien et c'est pour cela que je vous dis, n'ayez pas peur, on va aller jusqu'au bout et on va remettre le secteur. De ma motivation. Elle est consécutive à l'engagement collectif qui s'est clairement exprimé aux États généraux de l'ONU. Depuis ma mort, je voudrais renouveler ma gratitude à l'endroit de la haute direction de notre pays, à tous les organes de la législation de l'ONU, à tous les partenaires techniques et financiers, à tous les comités de gestion, ainsi qu'à tous les participants pour avoir soutenu l'organisation de ces importantes assises de notre système éducatif. À cette année de la célébration du 50e anniversaire de l'Université nationale du Zaïre du Nassa, autour de Monseigneur Francis Tibambu Tshisiku, premier recteur mort de l'Université de Lomagne et jeuneur et recteur de l'INASA, actuellement président du conseil d'administration de l'Université du Congo, nous voudrions que tous les pères fondateurs de l'Université congolaise croient à notre sentiment de profonde reconnaissance et voient à nous ou à notre fonds collectif de réforme une volonté réelle de poursuivre l'idéal d'excellence qui les a toujours amenés. À la suite des résolutions et recommandations ambitieuses, courageuses et sans complaisance qui ont émané des États généraux de l'ONU à septembre 2021, je me suis engagé à mettre en œuvre immédiatement celle relevant de ma compétence et à apporter l'appui institutionnel nécessaire pour la concrétisation de celle relevant d'autres autorités nationales. Je renouvelle donc ici cet engagement. De manière précise, les États généraux de l'ONU, dont les actes ont été adoptés par le Conseil des ministres du 15 octobre 2021, ont formulé des recommandations pertinentes au regard des thématiques réunies. Permettez-moi d'y revenir à la méthode quelques avis de l'occasion. Premièrement, la loi cadre de l'Assemblée nationale et ses mesures d'application. Je me suis engagé à mener à leur achèvement les réformes contenues dans ces textes de loi. J'ai donc invité les parties prenantes à réfléchir sur certaines dispositions, notamment celles alliées avec l'élection des recteurs et des directeurs généraux. Il importe que les modalités d'application de cette disposition fassent l'objet du consensus nécessaire pour garantir une gestion efficiente de cette avancée. Nous allons encore nourrir cette question. Deux, l'état des lieux du secteur de l'ISIS. Comme nous le savons tous, et les États généraux l'ont encore relevé, plusieurs axes de l'enseignement supérieur et universitaire nécessitent d'être réformés. Notre grand défi est de revaloriser, de requalifier, de moderniser notre système éducatif pour le rendre plus participant à l'émergence nationale et pour voir l'établissement de notre pays réapparaître dans les classements africains et mondiaux. Ça fait maintenant une dizaine d'années que nous ne sommes pas les 900e. Donc, nous avons disparu de place. Trois, la cartographie de suite à la prolifération exponentielle des établissements d'enseignement supérieur et universitaire sur toutes les familles du territoire national. Il est bon de suivre la base de l'audit organisationnel et le contrôle de viabilité effectué en juillet 2021, de procéder à la fermeture de plusieurs établissements qui ne fonctionnent pas conformément à la législation applicable. Et dans cette dynamique, je vous annonce que certains pourraient être fusionnés et regroupés.
enseignement supérieur était autorisé à fonctionner. Seuls ces établissements verront leur diplôme être entériné ou homologué. Vous avez certainement lu que nous avons donné une mise à cet établissement qui continue à créer des succursales ou des extensions. Je voudrais vous dire que maintenant, fermez-les. Si vous ne les faites pas très vite, vous serez fermés tous, et les extensions et vous. Vous avez certainement suivi que nous avons procédé à la fermeture de certaines facultés de médecine. Nous avons commencé par la médecine parce que nous croyons que ceux qui sont les plus intelligents d'entre nous, seuls doivent être autorisés à manipuler nos corps. Nous ne pouvons pas accepter que les gens formés dans des conditions qui ne sont pas acceptables puissent manipuler nos corps. C'est pour cette raison que nous avons procédé à la fermeture. Il y en avait plus de 16 facultés dans le pays. Nous sommes restés seulement avec 16. Nous avons publié une note circulaire pour réorienter les étudiants. Je voudrais donc vous dire que de manière aux étudiants concernés de saisir cette opportunité pour qu'eux aussi puissent évoluer dans des conditions normales et qu'à la fin de leurs études, ils obtiennent des numéros. Je suis embêté, à partir de Yannick Yamoukébo et de partout ailleurs, de voir des manifestations des jeunes médecins formés dans des établissements non viables, mais qui n'obtiennent pas l'autorisation de pouvoir exercer parce qu'ils ont étudié dans des conditions qui ne sont pas idéales. Il ne s'agit pas, ce n'est pas seulement les bouteilles mots. Puisque j'ai appris qu'il y a une dame qui a dit que voilà, il a seulement laissé ses jeux parce qu'il a étudié à ses jeux d'or. Le travail qui a été fait par une commission indépendante qui a rendu son rapport en août 2020. Je n'étais pas encore ministre. À cette époque-là, j'étais encore au Parlement en train de faire des motions et questions orales. Les universités qui ont été retenues l'ont été sur base des contrôles rigoureux et objectifs. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous d'en avoir eu trois. L'Université catholique du Gabel, l'Université de Thomas.